Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. L'autre jour je me suis retrouvé à un dîner avec une personne qui avait lu mon livre, qui avait écouté certains des épisodes de ce podcast et qui souhaitait en parler. Une personne de bon goût donc, dans la mesure évidemment où on définit le bon goût comme ce qui nous plaît à nous. Une personne aussi curieuse, cultivée, apparemment très bien connectée socialement, avec tout plein d'amis bien informés. Une personne intéressée par tout un tas de sujets et en quête de connaissances. Nous discutons et rapidement, avant même les amuse-bouches, je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un que les médias traditionnels qualifieraient de complotiste entre guillemets. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il est trop réducteur et ne veut pas dire grand-chose, mais je trouve rien de mieux pour catégoriser l'ensemble des opinions et convictions de mon interlocuteur. Pour être clair. Celui-ci se présentait comme ouvertement climato-sceptique, pro-Poutine, qu'il considérait comme un grand démocrate soutenu par plus de 80% du peuple russe, qui bien sûr a accès à des informations de qualité pour se faire une opinion instruite, convaincu que le World Economic Forum de Klaus Schwab travaillait avec les Illuminati, les francs-maçons et bien sûr les juifs pour mettre en place un nouvel ordre mondial visant à nous contrôler tous, que le Covid était avant tout un prétexte pour faire avancer ce projet, etc. Et l'écoutant, tout en mâchouillant un peu nerveusement mon pain, je pouvais deviner à l'avance les théories et les arguments qu'il s'apprêtait à avancer, les ayant déjà largement étudiés. Le wokisme et l'islamo-gauchisme comme autant de preuves de la dégénérescence organisée de l'Occident, la transition énergétique et l'écologie punitive comme stratégie de privation de nos libertés, Trump comme dernier résistant, tenant bon malgré ses procès politiques et une tentative d'assassinat commanditée par l'État profond américain, etc. etc. Entre deux gorgées d'eau plate, je tentais de contre-argumenter, évidemment, mais je me rendais vite compte que ça ne servait à rien. Il n'y avait pas de place pour la controverse. Je ne pouvais qu'écouter, en essayant autant que possible d'adopter une posture de chercheur en sociologie et en m'efforçant, comme je le fais dans ces cas-là, de suspendre mon jugement. J'ai fait cette même expérience de conversation plus ou moins stérile à maintes reprises sur les réseaux sociaux, et je suis sûr que, de votre côté, vous avez aussi été témoin, sur les plateaux télé et lors des dîners de famille, de joutes oratoires dans lesquelles chacun défend son bout de biftec, en étant convaincu d'avoir raison, d'avoir la vraie bonne source d'information, la vraie bonne analyse. Mais cette conversation m'a troublé parce que, d'une part, je me suis vite retrouvé à court d'arguments autre que c'est la science qui le dit, ou bien. Bah, ma source est plus fiable, et que d'autre part, j'en suis venu in fine à remettre en question certaines de mes petites certitudes. C'est que mon interlocuteur, par ailleurs, foranable, était tellement certain de son propos, convaincu de ses sources, bah, qu'il en devenait presque convaincant. Et je disqualifie mon interlocuteur en l'affublant de l'étiquette de complotiste, étiquette que non seulement il accepte, mais dont en plus il est fier, parce qu'après tout, dans l'histoire, on a plusieurs preuves que les complots existent. Mais, finalement, et si c'était moi le naïf Et si, en fait, j'étais celui dont les sources n'étaient pas si fiables Si c'était moi le mouton bien pensant Après tout, quelles étaient mes preuves irréfutables Et voilà de grandes questions. Comment arrive-t-on à être absolument certain de quelque chose Comment savoir, finalement, qui a raison et savoir ce qui est vrai ou non alors, ces interrogations ne sont pas nouvelles pour moi, elles sont même essentielles dans mon travail. Si j'ai d'ailleurs appelé mon livre Le monde change et on n'y comprend rien, et si j'ai décidé de consacrer les 80 premières pages au thème de la connaissance, ben, c'est pas tout à fait par hasard. Mais je pense qu'elles méritent d'être traitées en profondeur dans ce podcast, qui n'est en fait pas vraiment autre chose que ma propre quête d'une connaissance plus juste sur le monde et sur ses enjeux, parce que malgré tous mes doutes, ben, je suis convaincu d'une chose. Si on comprend mal ce qui se passe réellement, si on se trompe sur les phénomènes et sur leurs causes, on a la main sur rien. Et vous me direz, est-ce si grave Après tout, ça peut être une stratégie de vie pour un individu ou même une société, que de se laisser totalement porter, sans rien comprendre vraiment, et c'est d'ailleurs une conclusion à laquelle certains grands penseurs sont arrivés. Et on y reviendra. Quoi qu'il en soit, j'ai eu envie de creuser un peu tout ça. De reprendre les choses à la base et surtout de partager avec vous parce que je suis d'humeur altruiste et que comme ça je me sentirais peut-être un petit peu moins seul avec mes petits questionnements philosophiques. Ceci est donc l'introduction d'une série en sept épisodes sur la connaissance et sur l'épistémologie, c'est-à-dire, selon Piaget, l'étude de la constitution des connaissances valables. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait alors, c'est un nouveau format, sans interview, avec simplement ma voix monocorde dans vos oreilles, et la restitution de pas mal d'heures de recherche. Parce que la connaissance n'étant pas innée, et que personnellement je n'ai pas accès à une révélation, bah il a bien fallu que je bosse un peu. Alors, je ne pourrais évidemment pas parler de tout, par manque de connaissances, justement, et par souci de concision, malgré tout, mais j'espère vous donner un aperçu des grands penseurs, des idées clés, en espérant que ça nous aide in fine à mieux questionner mieux penser et donc à être peut-être un peu plus libre. Cet épisode s'appelle Introduction. Par souci de cohérence ou par manque d'originalité, comme vous voudrez, je vais donc introduire le sujet. On va essayer de problématiser un peu et de donner un aperçu de la suite. Alors, la connaissance, c'est un sujet qui peut sembler abstrait, mais en réalité, c'est quelque chose qui nous concerne tous et tous les jours. Et ça ouvre des tonnes de questions. J'en ai déjà partagé quelques-unes, en voici d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître quelque chose Et de quoi peut-on être vraiment sûr Ces interrogations, elles sont au cœur de ce qu'on appelle donc l'épistémologie, qui est la branche de la philosophie qui s'intéresse à la nature, aux origines et aux limites de la connaissance humaine. L'idée, c'est de prendre du recul pour examiner non seulement ce qu'on sait, mais comment on le sait, et en fait, c'est crucial. Surtout notre époque où on est confronté à une infinité de points de vue sur tout et n'importe quoi, depuis que n'importe qui a un haut-parleur dans sa poche et s'exprime sur les réseaux. D'autant plus qu'en même temps, on assiste à une perte de confiance généralisée dans les institutions traditionnelles du savoir. Les universités, les médias, les experts, tout sont remis en question, à tort ou à raison d'ailleurs, après tout, qui suis-je pour le dire moi, qui ne suis expert en rien Et comme l'a dit le sociologue Zygmunt Baumann, nous vivons dans une société liquide, où beaucoup de repères que l'on croyait stables sont dissous les uns après les autres. Donc tout le monde est un peu perdu, on n'y comprend plus rien. Ou alors on croit tout comprendre, alors qu'en fait on ferait mieux de faire preuve d'un peu plus d'humilité. Et c'est à ça que ça sert l'épistémologie, à prendre de la hauteur, à nous aider à comprendre comment on construit notre connaissance et surtout quelles sont les limites de cette connaissance. Parce que oui, notre connaissance a des limites et c'est super important de l'avoir en tête. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que la connaissance Nos amis les philosophes qui vont nous accompagner dans cette série ont longtemps défini la connaissance comme une croyance vraie et justifiée. Et ça veut dire quoi ça veut dire que pour connaître quelque chose, il faut 1. le croire, 2. que ce soit vrai, et 3. avoir de bonnes raisons de le croire. À premier abord, ça peut sembler assez évident. On pourrait dire que connaître, c'est savoir quelque chose avec certitude. Mais est-ce vraiment si simple Prenons un exemple. Vous connaissez, bien sûr, votre date de naissance, n'est-ce pas Vous en êtes sûr et certain. Mais comment vous le savez Vous vous en souvenez bah non, bien sûr que non. Vous le savez parce qu'on vous l'a dit, parce que c'est écrit sur votre carte d'identité, ou même dans un registre. Mais est-ce que c'est vraiment une connaissance certaine Qu'est-ce qui vous prouve que personne ne s'est trompé quelque part Pour l'anecdote, on se souvient que Barack Obama, à l'époque, a dû prouver qu'il était bien né aux États-Unis, alors que Trump mettait en doute cette information, et que d'ailleurs beaucoup de personnes continuent d'en douter, parce qu'après tout, qui me dit que le document présenté était vrai ce petit exemple nous montre déjà que s'accorder sur la vérité, ben, c'est pas si simple. Il y a différentes sources de connaissances. Traditionnellement, on en distingue plusieurs. D'abord, la perception. C'est ce qu'on apprend à travers nos sens. Quand vous voyez un arbre, vous touchez son écorce, vous sentez son odeur, c'est de la connaissance par perception. Ensuite, la raison. C'est ce qu'on déduit par ce qu'on va appeler le raisonnement logique. Par exemple, si vous savez que tous les humains sont mortels et que Socrate est un humain, vous pouvez en déduire que Socrate est mortel. Ensuite, l'introspection. C'est ce qu'on apprend en examinant nos propres états mentaux. Quand vous réalisez que vous êtes en colère ou heureux, c'est de la connaissance par introspection. Il y a aussi la mémoire. C'est ce dont on se souvient avoir appris dans le passé. Quand vous vous rappelez la date de naissance de votre meilleur ami, c'est de la connaissance par mémoire. Et puis, le témoignage. C'est ce qu'on apprend des autres. Et comme on l'a vu avec l'exemple de votre date de naissance, une grande partie de notre connaissance, notamment individuelle, vient du témoignage. Et chacune de ces sources a ses forces et a ses faiblesses. Par exemple, la perception peut parfois nous tromper et nous induire en erreur, nos sens ne sont pas totalement fiables, ni même le traitement que notre cerveau en fait. Et j'ai déjà abordé ce sujet, le sujet de nos biais de perception et de nos biais cognitifs, avec plusieurs invités dans le podcast, vers lesquels je vous renvoie, par exemple vers l'épisode avec Albert Mokeber. Mais la raison aussi peut nous mener à des conclusions fausses. Bah, par exemple, si on part de prémices, d'affirmations de départ incorrectes. Si je prends par exemple pour hypothèse que le Soleil tourne autour de la Terre, bah je peux construire tout un tas de raisonnements qui paraissent parfaitement logiques, qui sont logiques à partir de cette hypothèse de départ, et qui pourtant sont faux. Et la mémoire, bah on sait tous à quel point elle peut être capricieuse. Il m'arrive parfois d'aller chercher mes filles à l'école parce que j'étais convaincu que mon épouse me l'avait demandé la veille, alors que non. Enfin, ce qu'elle me dit. Et c'est ma mémoire contre la sienne. Et on connaît tous ces situations où on ne se souvient pas de la même chose qu'un autre. Donc, c'est pour ça qu'en général, on essaie de combiner plusieurs sources et méthodes de connaissance pour être davantage sûr de nos faits. Et d'ailleurs, c'est ce que la science fait. Elle combine l'observation, c'est-à-dire la perception, le raisonnement logique, c'est-à-dire la raison, et la vérification par d'autres scientifiques, donc le témoignage. Mais même avec tout ça, il y a toujours des limites à ce qu'on peut connaître. C'est ce qu'on appelle le problème des limites de la connaissance, tout simplement. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, soit parce qu'elles sont au-delà de notre capacité de perception ou de compréhension, soit parce qu'elles sont par nature inconnaissables. Par exemple, on peut observer une partie de l'univers grâce à nos télescopes. On peut faire des calculs sur son âge et sur son expansion. Mais il y a des parties de l'univers qu'on ne pourra jamais voir parce que la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements cosmologiques, et je vous renvoie vers mon épisode avec David Elbas qui en parle très bien. Ou encore, on ne saura probablement jamais ce qu'il y avait avant le Big Bang, si tant est que cette question ait un sens, puisqu'il y a un mur infranchissable, en l'occurrence le fameux mur de Planck. Et ça nous amène à un paradoxe fascinant. Pour comprendre les limites de la connaissance, il faudrait en quelque sorte connaître ce qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu comme essayer de cartographier les frontières d'un territoire inconnu. Comment on peut savoir où s'arrête notre connaissance si on ne peut pas voir au-delà Voilà, je vous laisse méditer. Dans cette série, j'ai choisi d'aborder ces questions fondamentales en m'appuyant donc sur les grands philosophes et les grandes traditions de pensée, et en les abordant de manière chronologique, pour que ce soit plus digeste, et surtout pour qu'on puisse apprécier la progression, en quelque sorte, de la connaissance et nous-mêmes l'accompagner. Donc on va voir comment différents penseurs à différentes époques ont abordé ces problèmes. Comment, dès l'Antiquité, Platon et Aristote, pour ne citer qu'eux, posent deux visions qui vont s'affronter pendant des siècles. Et puis on va traverser le Moyen Âge en Europe, mais aussi aborder les grands courants de pensée non occidentaux qui ont établi une approche particulière depuis des siècles. On va croiser la route de Bacon, de Galilée, de Descartes, et les précurseurs de la méthode scientifique. On abordera ensuite les révolutions kantiennes, newtoniennes, darwiniennes, einsteiniennes, qui ont profondément remis en question notre rapport au monde. Et puis les modernes, avec Russell, Wittgenstein, Popper, Kuhn, Bergson, Arendt, etc., qu'il nous faut prendre encore plus d'auteurs de, de vue sur tout ça au travers de leurs réflexion sur le langage ou sur les limites de notre perception, de notre raison, ou encore de notre liberté de penser par nous-mêmes. On va parcourir l'histoire de la pensée et essayer de comprendre les concepts clés pour se donner des outils pour mieux réfléchir, mieux écouter, mieux débattre et pourquoi pas mieux agir. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, des IA génératives, des fake news, des postures fermées ou simplistes, et surtout des grands défis d'une complexité inédite, bah il me semble qu'on a besoin plus que jamais d'être armé pour un peu moins se tromper, ou un peu moins se faire tromper. Il y a évidemment énormément de choses à raconter, et j'ai essayé de rendre tout ça intéressant et agréable à écouter. Ça n'est pas une thèse, ça n'est certainement pas parfait ni complet, donc... Cette série est surtout faite pour vous donner, comme toujours, envie d'aller plus loin par vous-même. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à la faire. Voilà. Je vous retrouve tout de suite dans l'épisode 1, dans lequel on commence notre voyage par l'Antiquité grecque, à l'époque des Toges et des Sandalettes sans chaussettes. A tout de suite. Le réel Tu veux qu'on en parle du réel